Il y en a beaucoup qui pensent que c'est des conneries, que l'illusiver ne peut pas s'acheter ou avoir une planète. Mais vous vous trompez, les gars. D'après les dernières news que j'ai vues, il peut vraiment avoir une planète. Et c'est vraiment très sérieux. Il y a Soulja Boy qui a réagi. Je vais aussi vous parler de Lil Baby dans cette vidéo qui a dit quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc il y aura pas mal de news dans cette vidéo, donc sans plus tarder. Let's go pour les news. Hier, quand je vous ai sorti la vidéo sur l'illusiver et que je vous ai dit que c'est grâce à la copine d'Elon Musk, qui est une chanteuse qui s'appelle Grimes, qu'on connaît cette information qui a été publiée sur son compte Twitter jeudi. Je ne vous ai pas dit ce que l'illusiver a dit. J'ai essayé de surprendre tout le monde. Et pour ce qui est de la transaction, il y travaille encore. Et la news, c'est quoi? Eh bien, c'est que la copine d'Elon Musk a précisé dans un autre tweet que les papiers étaient presque prêts pour officialiser l'acquisition de cette planète. Maintenant, parlons de cette planète WASP-127b. Elle a été découverte en 2016 et il y a une grande quantité de métaux et il y aurait peut-être de l'eau sur cette planète. Mais le petit souci, c'est que cette planète se trouve à 522,6 années-lumière de la Terre. Malgré cette news, il y en a encore qui vont dire que ce n'est pas possible de s'acheter ou avoir une planète. Si. Si c'est possible dans deux pays. Il est parfaitement possible pour une entreprise ou un citoyen de s'acheter un corps céleste comme une planète. C'est possible aux États-Unis depuis le Obama Space Act de 2015 et au Luxembourg depuis 2017. Bon, après, c'est bien d'avoir une planète, mais si tu ne peux pas y aller, frérot, à quoi ça sert? Maintenant, passons à la réaction de Soulja Boy. L'illusie, j'étais le premier à avoir une planète. T'as jamais entendu parler de Soulja World? L'illusie était en retard, j'avais déjà ma propre planète depuis très longtemps. Et commencez même pas à critiquer Soulja Boy. Hein. C'est grâce à lui qu'on est là, c'est lui notre père. C'est lui qui a tout créé. Un minimum de respect pour Big Draco. Maintenant passons à Kanye West. À l'heure où je fais cette vidéo, il est 13h54, le 23 juillet. L'album Donda de Kanye West est toujours pas sorti, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est en cours de mixage. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo sur 6ix9ine, quand il y a une annonce d'album de Kanye West, faut prendre avec des pincettes parce que des fois, le projet peut être reporté, le projet peut avoir des complications. Eh bien, là, il y a des complications. À ce qu'il paraît, il y a des artistes qui sont sur le projet qui n'ont pas envoyé leur couplet. Ne vous inquiétez pas, je pense que ça va pas tarder à arriver. Peut-être que dans la semaine, ça va sortir. Il y a pas mal d'artistes qui seront présents. J'ai vu comme quoi qu'il y aurait Jay-Z dans le projet. Oui, vous avez bien entendu. Bon, ça, c'est des news que j'ai vues par-ci, par-là. Donc, c'est pas officiel. On n'a pas la tracklist. Maintenant, passons à la news sur Lil Baby qui s'autoproclame le Lil Wayne de sa génération. C'est pas dans une interview ni sur les réseaux sociaux, mais dans un morceau qu'il a dit ça. Il n'était pas tout seul sur le morceau, il y avait aussi 42 Dog et Raylo Rodriguez. Lil Baby dit: je deviens trop fou, je suis le Wayne de cette nouvelle génération. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler de la pension alimentaire que Dr. Dre devra verser à son ex Nicole Young. Bon, je rappelle vite fait pour ceux qui auraient oublié l'histoire entre Nicole Young et Dr. Dre. Ils sont officiellement divorcés depuis le mois d'avril. Nicole Young avait obtenu de recevoir provisoirement 2 millions de dollars par mois de la part de son ex-mari, Dr. Dre. Et elle réclamait que cette somme lui soit définitivement versée chaque mois en guise de pension alimentaire. Bien évidemment, Dr. Dre n'était pas d'accord. Et après avoir essayé de trouver un accord avec la justice, on a appris quoi le 21 juillet? Eh bien que Dr. Dre devra verser environ 293 000 dollars par mois à son ex Nicole Young, qui donne un total d'environ 3,5 millions de dollars par an et qui devrait être versé chaque premier du mois et ça commencerait dès le mois d'août. Dr. Dre devra également se charger de payer l'assurance et les frais d'entretien des résidences de son ex-femme. Ah oui, et vous savez c'est quoi le pire? C'est que les résidences appartiennent à son ex-femme. Dépenser 3,5 millions de dollars par an pour son ex, on est bien d'accord que ça fait chier. Mais après Dre, il est milliardaire, donc je pense... Bah si, ça le fait quand même chier, tu vois, de dépenser de l'argent pour son ex. Mais au moins, ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'il s'est rapproché d'une autre personne qui s'appelle April Jones. Quand je vois des news comme ça, ça te donne pas envie de te marier. Là, vous allez me dire dans les commentaires, ouais, mais c'est pas pareil, Black, t'es pas riche. Une femme te fera jamais un truc comme ça. Mais les gars, ce genre d'histoire, ça n'arrive pas qu'aux riches. Hein. Ça arrive aussi aux gens qui n'ont pas énormément d'argent. Il y a des femmes, elles le font exprès. Il y en a, elles le font pas exprès de divorcer, tu vois ce que je veux dire? Mais celles qui le font exprès, elles arrivent à récupérer certains biens. La plupart du temps, tout revient à la femme. C'est quoi ça?
Le mieux, c'est de faire moitié-moitié. C'est la fin de cette news sur Dr. Dre, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news, de la news sur Dr. Dre, de la news sur Lil Baby, de la news sur Kanye West, sur son projet Donda qui n'est toujours pas sorti, de la news sur Lil Uzi Vert, Soulja Boy qui a réagi. Sur ce, on se rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Lego, never Lego. Yeah. Her mind stuck up on me, so I call the Velcro. Yeah. Till I need my dinner, yeah. Open the hole. Hit my metro if it's about the pencil, yeah. Like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extender. Bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. Yeah. I got a big gun, I need help with it. Yeah. To wet your babe up, Michael Phelps with it. Hell.